Et donc, bonsoir YouTube, on se retrouve pour cette phase chiante qui est les enquêtes. Encore une fois, toujours les enquêtes, et on va se faire chier. Et ça, c'est beau. 19 octobre, 15h27. Putain, il a pas bossé pendant 3 heures. Putain, le mec, il s'est pas chier, quoi. Il a vraiment fait un don, ce con. Putain, il a vraiment fait un don, ce con. Putain, il a vraiment fait un don, ce con. Non, mais je déconnais. Mais je déconnais, ce con. Bon, bah, là, je suis obligé de continuer. Voilà. Attendez, il faut que je regarde le message du don. Ah, mais c'est chiant, c'est pas... Ah, là. Ah, là, là, tout de suite le don, quoi. Le mec. Le mec. Ah, le don d'un centime. Non, mais... Vraiment. Il a fait un don d'un centime, ce con. Ah non, mais non, quoi. Non, mais t'es au courant que... Attends, t'es au courant que PayPal prend un pourcentage du don. Donc du coup, le centime, je vais pas le toucher. Là, t'as donné un centime à PayPal. Mais genre vraiment, quoi. Bref. Bref. Oui, donc cabinet d'avocat, monsieur Wojtenko, tout ça, est-ce que c'est la bonne fenêtre? C'est la bonne fenêtre, oui, donc ok. C'est parti. Nous avons eu chaud. Hein, Mia? Vraiment? Ah mince, alors je suis désolé d'avoir traité ça. Hein? Maya? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense avoir une petite idée quant à l'identité du coupable. Maintenant, j'ai simplement besoin d'un mobile et d'une preuve. Waouh! Tu te débrouilles super bien, Nick! Conformément au système de procès initial, demain est le dernier jour. Procès initial? Qu'est-ce qu'il c'est? C'est le nouveau système juridique qui a été introduit il y a 2 ou 3 ans. Il y a vraiment trop d'affaires en cours et donc on a décidé d'accélérer les choses. Alors, selon ce système, un procès doit être bouclé en 3 jours? En gros, oui. Eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre! Ça va me faire chier, lol. Attends, je vais faire la Solus parce que j'en ai marre en fait. La Solus, parce que là, c'est chiant. La Solus! Donc, entrée principale. Parfait. 19 octobre, Global Studio, entrée principale. Vive-moi la parole, il est bien silencieux aujourd'hui. Vous savez que cet endroit est si paisible comme ça? Nick? Je crois qu'elle a baissé sa garde. Tu crois? Je croyais qu'on pourrait même marquer, même manger ses billets si on voulait. Vous voulez manger ou vous êtes mort? Ah, elle est bien vivante. Non, c'est bon. Elle a menacé quelqu'un, tout va bien. Non, mais pas la Solus, mais pas vraiment la Solus. Je l'ai sous les yeux, mais voilà. C'est juste que ça fait chier de chercher. Autant de procès, ok. Je cherche, mais là, ça me fait chier. Je posais des questions au sujet de la productrice de Vasquez. Oh, les gros bonnets du studio l'adorent. Du coup, elle n'en fait que sa tête. On sent de l'amertume. Ah, vous n'avez pas la productrice? Écoutez, le studio ne veut pas que je parle d'elle, alors désolé. Super, merci. Puis-je vous poser une question à propos de Monsieur Sal Modello, le réalisateur? Sal? Il est mou, il se laisse faire. Il fait tout ce que Vasquez lui demande. Il le traite comme un chien, et je crois qu'il aime bien ça. Hein? Personne n'avait traité comme un chien. C'est pas logique, n'est-ce pas Nick? Non, c'est pas logique, Baya. Toi, tu vas pas souvent à la fistinière, toi. Bref. Concernant Monsieur Hammer. Arrgh. Je sais que vous avez dit aujourd'hui, avorton, effronté. Pauvre Hammer, c'était une étoile et vous, vous l'avez traîné dans la boue. Lui, le traité de criminel, de voleur. Je ne vous oublierai pas. Oula, c'est vraiment en colère cette fois. Écoutez-moi, Freluquet. T'as Freluquet, putain. Ok, mon pauvre Hammer n'aurait jamais fait une chose pareille. Pourquoi aurait-il volé le costume de l'onté pour pouvoir se faufiler devant moi? Je ne serais jamais tombé aussi bas, impossible. Ok, on va te laisser là, mamie. Hein, salut, hein. Salut. Adieu, salut. Ça va.
Ça fait un programme de studio, zone des employés. Je suppose qu'il tourne pas aujourd'hui non plus. J'aurais bien aimé voir un tournage juste une fois. C'est pour ça que ce sera terminé demain. Après, tu pourras venir les voir tourner. Sûrement. C'est ici qu'on a trouvé ce flacon de somnifère, n'est-ce pas? Oui, je me demande s'il y a bien d'autres preuves dans le coin. Ya! Yeah non, 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 pas touche! Oh, pardon, mademoiselle. J'avais pas l'intention de vous faire peur. Pas attention, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je sais que parfois je suis un peu mélodramatique. Ça va être l'acteur qui surveille en moi. Mélodramatique, en effet. Bref, je suis ici pour examiner l'assiette posée sur cette table. Attendez, vous êtes tout à l'heure chef de somnifère? Oui, mon gars. Vous êtes très de ces derniers. Besbouib. Besbouib. J'adore cette musique. Besbouib. Ah, voilà, ce casse aussi, ah mon dieu. Ah oui, vous êtes plus que 7, ah mon dieu. Horrible. Ah, c'est là où j'aurais pas dû continuer en fait. Dommage. Là, vous êtes à la recherche des traces du somnifère, comment? Pour être vraiment complet, je dois emporter l'assiette au poste. Mais je suis capable de la réserver un examen sommaire ici. Le type de labo a donné une solution de test. Elle réagit au somnifère, voyez? Ça les traces changent de couleur. Waouh, super! Eh bien, inspecteur détective, qu'est-ce que vous attendez? Allons, allons, cherchons dans son temps, mademoiselle. Ah, Matt. Matt, il a payé pour continuer, mais finalement, on se barre. Parfait. Bon, la solution de test est appliquée sur l'assiette et a bien changé de couleur. Il y a donc des somnifères dans cette assiette. Il y a donc des somnifères dans cette assiette. Oui, c'est pas bien. Oui, ça m'a tout l'air. Assiette ajoutée au dossier de l'affaire. Comment va votre enquête? Honnêtement, c'est une véritable pagaille, mon gars. Certains pensent qu'on devrait poursuivre l'action contre volonté, mais d'autres pensent qu'on devrait changer de suspect. Et vous, qu'en pensez-vous, inspecteur détective? Eh bien, mademoiselle, j'étais à devoir l'admettre, mais je suis plus très convaincu de la culpabilité de M. Lonté. Je me sens un peu mal pour M. Hunter, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de lui. Comment va Hunter, d'ailleurs? Hunter est déchaîné. Dans la salle d'attente, il a écrasé un gobelet contenant un café encore brûlant. Ouh. Bonjour, les brûleurs, mon gars. Waouh, le fureur de Hunter. Bref, écraser un gobelet en plastique, flacon. Dites, qui était l'élu du flacon vide? Le flacon de somnifère. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous à ce propos. Ils ont trouvé que ses empreintes sur la victime, Monsieur Jack Hammer, dessus. Ce qui signifie? Ouais, apparemment, celui qui a drogué Lonté était d'autre que la victime elle-même. J'avais donc raison. Flacon de somnifère ajouté au dossier de l'affaire. Oh oui, c'est bon. Ok. Esprit. Loge, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? C'est facteur avec le bas studio, loge. Une loge vide comme ça, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Je suis sûr que Monsieur Lonté va vite revenir. Tout ira bien. Ah oui! Ah oui, tout ira bien, oui. Non, on va pas présenter, on va rien présenter du tout. Essayons suivant, allons-y. Deuxième facteur, l'entrée du studio 1. Reviens en arrière, Nick. Aujourd'hui meurtre. Monsieur Hammer a mis le costume du samouraï d'acier, puis est parti ici pour aller au studio 2. Exact. Mais pourquoi? Peut-être quelqu'un l'a appelé comme le réalisateur ou la productrice. Ah, mais c'est qu'elle est assez intelligente, ta petite Maya. Maya. Non, c'est Maya l'abeille. C'est pas Maya l'ourson. Oh, j'en ai marre. C'est ça, faut dans le studio 2.
Hey Nick, c'est même Vasquez. Bonjour. 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 Maya, tu pourrais aller au moins essayer d'être poli. Il y a le gars de Dubaï. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Colasse. Je pense qu'on peut pas parler. Pardonnez-moi, Hammer vous dit ici l'autre jour du meurtre et... Chut. Vous n'avez pas peut-être pas entendu. Il y a le gars des noailles. Ça ne m'intéresse pas de vous parler. Fais quelque chose, Nick. Mais qu'est-ce qu'on a dans les pieds? Oh mon dieu. Ah. Pourquoi j'ai fait ce rap, c'est pas grave. Mais Monsieur Lonté n'est pas l'assassin. Inutile d'annuler le samouraï d'acier. Il y en a assez du samouraï d'acier. C'était vous? Nick, c'est elle qui l'a tué. On s'en fait, il me le dit. Je sais, je sens. Oh mon dieu. Ok, super. Ouais, je me demandais si vous avez, si vous voulez bien parler du monsieur Monello. Si vous voulez parler de cet homme, peut-être pourriez-vous en parler dans le mobilhome. Entendez-vous? Oh mon dieu, oh mon dieu. Je sais pas de quoi il parle, mais ok. On peut examiner le truc derrière qui m'interpelle, non? Il faut qu'on utilise pour transporter le bouclier matériel. Alors, on va faire un tour. Là, c'est pas ton ami, là. Oui, on l'a déjà vu, ça. Oui, on l'a déjà vu, oui. On l'a déjà vu, cette merde. Se déplacer. Est-ce qu'on peut aller mobilhome? Ah, on peut aller au mobilhome. Parfait. C'est photo mobilhome du studio 2, ouais, super. L'assistante a pourtant nettoyé hier, non? C'est bizarre, ça a toujours pas l'air rangé ici. Ils vont encore être dans le fourré d'avoir eu cette carte qui lui manquait. Est-ce que nous on peut fouiller du coup? Est-ce qu'on peut fouiller genre la poubelle, tout ça? Hein, qui peut servir de preuve ici? Que des vieux gobelets en plastique et des documents traqués. La réunion a lieu ici. Il y a des documents et des gobelets en plastique un peu partout. Super. Il devrait concevoir des décors pour le samouraï d'acier. Des chiffres indiquent combien il coûte chaque décor. C'est incroyable qu'ils dépensent autant d'argent pour des décors. J'avoue. D'ailleurs, on s'en fout. L'étude du samouraï avec Jack Hammer. Cette affiche a quelques années. Ouah, ça fait des siècles que j'ai pas vu ce film. C'est l'histoire d'un amour. Elle était classique, mais c'était super. L'histoire d'amour avec un samouraï à cheval. C'est complètement con. Ah oui, mais c'est complètement con, mais oui, mais oui. Ok, donc elle, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, mais je fais quoi maintenant? Parce que je suis un peu la fin de chercher. Un peu beaucoup la fin de chercher, mais je dirais. Ouais, vous êtes plus que trois, sans déconner. Sans déconner, merde. À la loose. Bon, ben... c'est pour vous trois. Parfait. Loge, entrée principale, entrée studio 2, mobilhome. Ah, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Oh, mon Dieu. Là, encore... D'accord. Ok, attends. Entrée studio 2, nos employés, détective, d'accord. D'accord, ok. Ok, on fait retour arrière. Retour arrière carpé. Entrée sur toujours. C'est chiant de faire ça. Oui, oui, c'est. Oui, c'est. Oui, c'est chiant, oui, c'est chiant. Se déplacer dans la loge, dans la loge, dans la loge. Non? Ok, j'ai oublié quelque chose. T'as un peu sur moi un cadre. Pas su, une occasion de rêver pour parler un peu avec lui. Vous pouvez maintenant entrer dans la loge, chose d'information. Ah! Non, j'ai vu quelque chose, mais quoi?
Oh, si c'est ça, c'est dégueulasse. En gros, si j'ai bien compris, il faut que je parle à Maya dans le club des White & Co pour débloquer la suite. Si ça, c'est dégueulasse. C'est assez dégueulasse. Je ne comprends pas, Maya. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il volé le costume samouraï d'acier? Quoi? Tu veux dire que c'est Monsieur Hammer qui prend des costumes? Oui, mais Monsieur Hammer est la victime, Nick. Pourquoi serait-il donné la peine de le voler? C'est ce que nous devons découvrir. Qu'a donné le témoignage du réalisateur? Eh bien, il est clair que le réalisateur et la productrice étaient dans le mobilhome. Ah! Ce qui signifie que l'assassin est forcément l'un d'eux. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le crime a lieu au studio 2, là où se trouve le mobilhome. Quoi? Maya, t'es toujours un tempérament aussi nerveux. Alors, as-tu remarqué quelque chose qui nous pourrait nous aider? Je vois pas ce qui se passe quand Maya est ici. Donc non, j'ai rien remarqué. D'accord, merci. Peut-être que nous devons parler à GL. GL, on t'est, c'est vrai. Mais quoi, faut que je lui parle? J'ai pas eu à parler pour reprendre. Oui. C'est ça, c'est dégueulasse. Non. Donc... Votre compagnie, la petite Maya, a eu quelques conseils sur les événements. Nique ta mère. Nique ta grand-mère. Ça me fait chier. Je vais aller au centre de détention. Ah 10 octobre, centre de détention, nique ta mère, parloir. J'ai fait quoi comme moi? Ouais, super grave. Je sais pas. So what? Vous avez encore très bien manœuvré aujourd'hui, merci. Oh, merci. M'arrête, on dirait que tu vas éclater en sanglots. Ouais, Nick, t'as vraiment dû les emballer? Tu pourrais aussi arrêter d'avoir l'air si vulnérable. GL, plus qu'un jour. Il faut le rendre mémorable. Oui. Mais il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire pour vous aider. Je suis pas sûr que non plus tu pourras faire quelque chose. S'il vous plaît, il n'y a pas quoi rire, vraiment. Arrêtez. Oh, je lui parlais que ça sert à rien. Pouvez-vous me dire plus sur Madame Vasquez? Oh, la productrice! Elle est très respectée dans le métier. Ils disent que c'est un génie. Un génie? Elle est chez Global Studio depuis 5 ans. Quelle est raison ou tort? Personne ne l'a critiqué. Pourquoi? Depuis qu'elle a repris les rênes, nous n'avons connu aucun succès. La situation de Global Studios a été catastrophique. Mais elle est toujours renversée à la vapeur. Et oh, et quoi? Rien, laisse tomber. Je n'ai entendu que des rumeurs de toute façon. Ok. Pouvez-vous parler de Monsieur Bonello? Oh, c'est le réalisateur de bas de gamme dont les films ne sont qu'en vidéo. Mais Vasquez a décidé de faire quelque chose dans son travail. Elle lui a donné l'idée de samouraï d'acier. Maintenant, tout le monde connaît le nom de Salmonello. J'ai entendu dire qu'elle faisait marcher à la baguette. Elle lui disait de se jeter du balcon, elle le ferait. J'imagine bien marcher à la baguette, mais je vois pas un mal jambé à le balcon. Lol. Lol parce qu'il est gros et moche. Lol. Je pose une question concernant Monsieur Hammer. C'était une grande star il y a longtemps, non? Et puis tout à coup, il a disparu des circulations. Oh oui, vous avez raison, il était mon modèle quand j'ai commencé dans le métier. Mais soudain, il n'a plus accepté aucun grand rôle. Il a commencé à apparaître dans les petites productions globales. Comment a-t-il pu faire ça? J'avais vraiment hâte de voir la suite de l'été du samouraï. En fait, il a abandonné sa vie de star il y a 5 ans. D'ailleurs, en y repensant, c'était plus le moment où Mme Vasquez est arrivée chez Global. Il y a 5 ans? Non, c'est suspect tout ça. Non, c'est suspect. Est-ce que je peux enfin aller à la loge? Eh oui, enfin! Oh, bonjour, hein! Ah non, c'est pas ça. Moi, le chieuse. Oh, bonjour, hein! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je nettoyais la loge, hein, c'est tout, hein! Un gel ne s'en sert sûrement plus, alors. Quoi? Pourquoi? Mais GL est innocent!
Oui, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Hein. Mais cette semaine, c'est le dernier épisode du Samouraï d'Acier. Hein. Quoi? Non. Enfin, la suite. Je me demandais si ce serait possible que vous vous posiez des questions sur Monsieur Hammer. Non, oui. Hein. Au jour du meurtre, il est allé au studio 2. Hein? Je croyais qu'il était au studio 1. Il a aussi volé le costume du Samouraï d'Acier. Quoi, hein? Pourquoi Monsieur Hammer ont-ils fait cela? Oh, alors la rumeur était donc vraie? La rumeur? Oui, Mme Vasquez, la productrice, avait une certaine emprise sur Hammer. Elle savait des choses sur lui. Elle lui faisait tout ce qu'il demandait. Des choses? Quelles choses? Des choses, vous savez, des ragots. Et qu'est-ce que vous entendez par des ragots? Il y a environ 5 ans, il tournait dans un film avec Monsieur Hammer. C'était dans le studio, studio 2. Un accident a eu lieu dans le tournage. Après ça, ils n'ont jamais étudié Studio 2. Ils ont aussi laissé le plateau tel quel. Le plateau? Mais alors, le mobil-home faisait partie du décor? Qu'est-ce que vous voulez dire par les derniers épisodes des derniers Samouraïs d'Acier? Bref. Je sais que c'est un choc, hein, mais on peut plus rien faire pour l'empêcher. L'assassin de Monsieur Hammer a également essayé l'arrêt des Samouraïs d'Acier. Non! 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 Je suis en train de dire que Global Studio a changé sa programmation. Ils vont plus réaliser que des séries pour enfants. Hein? Pardon? Je ne sais pas. Non, de l'UPR, la carte de l'UPR, s'il vous plaît. Avec Asselineau. Oui, la carte de Asselineau. La carte de... Ah, je sais plus son prénom. Mais c'est Asselineau. C'est pour Asselineau. Je suis sûr, c'est pour l'UPR. Bref. C'est triste, hein. C'est pour que Global Studio a décidé. Hein. Pourquoi il veut-il plus faire de séries pour enfants? Les gros bonnets du studio veulent plus entendre parler du Samouraï d'Acier. Ils veulent oublier tout ce qui a eu lieu. Hein. François Asselineau, c'est ça, merci. Ils veulent étouffer l'affaire, hein, vous comprenez, hein? Comment peut-il faire ça? Et tous les enfants qu'il y a dans le Samouraï d'Acier, hein? C'est bon, je suis sûr que les enfants s'en remettront. Hein. Ils trouveront un nouveau héros. Hein. Non, ça peut pas être vrai! Si la série s'arrête, ils auront le cœur brisé! Nick, dis quelque chose! Oui. Je crois qu'une preuve plutôt que des mots, c'est nécessaire. Voilà, regardez ceci. Pas ça. Et c'est la collection de photos d'un fan. Les enfants adorent le Samouraï d'Acier. La série ne peut pas s'arrêter juste parce que les adultes veulent se voir la face. J'aurais cru que vous l'auriez compris mieux que quiconque. Vous avez raison, hein. Ok, hein. Mais puis que mieux que je puisse faire, hein. Et bien pour commencer, vous pouvez me dire quelque chose? Dites-moi ce que Global Studio cherche tellement à cacher. Parlez-moi de cet accident il y a 5 ans. Hein. Ok. Hein. Eh ben, parle-moi. Parle-moi de terre. Parle-moi de te... quoi? Pardon. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé il y a 5 ans? Eh bien, je peux vous dire ce que j'ai entendu. Hein. Apparemment, il y a 5 ans, quelqu'un est mort. Et c'était à la faute d'Hammer. Quelqu'un est mort? C'était un accident, hein, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice, Mme Vasquez, a réussi à étouffer l'affaire. C'est donc ça, les ragots, hein, que... Ah, c'est donc ça, les ragots que connaissait à propos de M. Hammer. Et donc, c'est pour ça que M. Hammer faisait tout ce que Mme Vasquez lui demandait. Si c'était un accident, pourquoi ne pas avoir révélé au public, tout simplement? Eh bien, vous savez, est-ce que M. Hammer était une grande star à l'époque? Et donc, ils ont eu peur des conséquences que sa carrière, cette histoire avait été inventée. Hein. Je comprends. Vous savez ce qui s'est passé à ce sujet? C'est madame Chouette, hein. Elle était déjà au studio à cette époque-là. Hein. Merci, tu as le droit de lui poser des questions. Si ça veut bien lui parler. Lol. Ça, ça va moins être possible, ça. Lol. Studio entrée principale, s'il vous plaît.
vous êtes encore là à farfouiller? Si vous aimez tant que cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. Le vieux moulin à parole n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait de son mieux pour le Bihammer. D'après eux, qui a forgé la réputation de Goma Studio? Hammer! Tout ça, c'est grâce à Hammer! Elle commence à voir là-bas aux commissions d'élèves, Nick. On devrait peut-être te tenir à distance. Bonne soirée, Killer! J'aimerais que vous me parliez d'il y a 5 ans. Qui vous l'a dit? Qui a parlé? Hein? Rosenz! Rosas? Rosenz, Nick. Ils se trouvent Rosenz, c'est tant qu'ils nous ont parlé. Ah, d'accord. Peu importe, nous avons entendu parler d'accident. C'était lors du tournage avec Jack Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas? Avortons! On sortit des histoires passées de quelqu'un et d'un défunt en plus. J'imagine que vous trouvez ça drôle. Non, mais je ne fais que mon travail pour protéger Monsieur Lonté. Et vous prétendez que Monsieur Hammer a volé le costume de Monsieur Lonté? Vous imaginez que je vais croire à ces messieurs sur net? Ou alors vous avez des preuves? Des preuves que Monsieur Hammer voulait le costume de Lonté? J'ai une preuve. Je sais, Madame Chouette, mais j'ai bien une preuve. Je peux vous prouver que Monsieur Hammer a volé le costume de Monsieur Lonté. Ouais, bah c'est ça là. Soit le flacon, soit la bouffe quoi. Voici la preuve. Quoi? Qu'est-ce que ces petits flacons vides sont censés me prouver? C'est un flacon de somnifère. Portons les empreintes de Monsieur Hammer. Qu'est-ce que ça prouve? Je suis sûr que c'est pour Hammer avec des insomnies. Comment pouvez-vous prouver qu'il a utilisé son thé? Eh ben, l'assiette. Monsieur Lonté a mangé une coquette ce midi, exact. Eh ben, oui, et alors? Voici l'assiette dont il servit pour manger cette coquette. Qui a dû pourrir hein, depuis les 3 jours qu'on est là. Mais bon, pas grave, admettons. Il est très somnifère dans la peau de l'assiette. Je vois. Pauvre, pauvre Hammer. Vous vous êtes égaré, Hammer, hein? Dieu est votre âme. Mais chouette? D'accord, vous avez gagné, je vais parler. Je suis fatigué, vous voyez, fatigué de tout garder pour moi. Mais chouette? Vous avez raison, il y a 5 ans, il y a eu un accident mortel. Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo. Cette photo, eh bien, elle a fait sensation, bien sûr. Et devinez qui a tout arrangé? Vasquez. Elle a des liens avec la mafia. Elle a fait taire ce paparazzi. C'était que le début. À partir de ce moment, elle a forcé le respect ici au studio. Je vois. Mais vous devez comprendre, ce pauvre vieux Hammer n'a jamais voulu faire de mal à personne. Ouais, mais chouette. Attendez un instant. Un instant! Oh ben, mais chouette. Voilà, prenez ceci. Hein, une photo? Ah ben, d'accord. Une petite minute. C'est la photo en question. C'est les mobilhomes du studio 2. Hammer était censé combattre un méchant en haut de ces escaliers-là. Il a poussé le tracteur et l'homme est tombé sur le grillage. Mais comment avez-vous ceci? C'était il y a longtemps. J'ai pas tellement envie d'en parler. Je comprends. Photo d'il y a 5 ans, j'étais au-dessus de l'affaire. Merci. Eh ben voilà. Eh ben dis donc. Tout ceci explique bien de choses, mon dieu. Après, je pense qu'ils gardent la photo de l'assiette ou quelque chose comme ça. Au pire, on s'en fout. Donc, sur deux. Est-ce qu'on peut discuter de 2 secondes, s'il vous plaît? Non, on va lui présenter la photo. Ha ha! Tu l'auras dans le cul! Elle ne regarde même pas. Où? Quoi? Ouais, attends. Maqué, l'accent espagnol, maqué si. Ma, où ça? Eh bien, je. Vieille chouette. Je vais parler de la dame de sécurité, mais elle est chouette, Nick. Ah oui, bref. Madame Vasquez, vous avez caché cet incident dans la presse, n'est-ce pas? Et vous avez utilisé pour contrôler Monsieur Hammer. Ma, quel est vent. Quel quoi? Elle est plutôt fort, vous ne trouvez pas, le vent. Votre conversation m'intéresse. Alors, parlez davantage dans le mobilhome. Nick, elle est entrée dans le mobilhome.
Oui, elle nous invite dans le mobilhome. Qu'elle entre dans le mobilhome, au bout d'un moment, c'est logique. S'il vous te plaît. Ah, mais vous êtes venu. Eh bien alors, de quoi parliez-vous? Pourquoi est-ce pas sûr de parler tout à coup? Madame Vasquez, vous saviez de cet accident, vous faisiez chanter Monsieur Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il jouait dans cette série pour enfants, pour un salaire de misère. Ah là, je suis maître chanteur maintenant. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Je veux dire, d'accord, c'est un accident. Mais vous êtes servi pour empêcher Monsieur Hammer de conserver son nom de star. Oula. Non? Pas collection de merde? D'accord. Non, ma collection était vacillante, mais finalement non, apparemment ça ne jette pas. Mais bien écoutez, parfait. Ah! Et il n'y a rien empêché du tout. La carrière de Monsieur Hammer a mal tourné, toute seule. Mais, vous étiez la cause! Vous devez forcer! Et en plus, c'était quel accident? Pardon? De quoi parlez-vous? On n'arrêtait pas de dire accident! Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Que voulez-vous dire? Il faut que je vous explique tout! Réfléchissez! Ce n'était pas un accident, c'était quoi? Non, impossible! Vous voulez dire que Monsieur Hammer l'avait fait exprès? C'est ce qu'il y avait à dire! Quelles sont vos preuves? Pouvez-vous le prouver? Il suffit de réfléchir. Moi, a-t-il laissé des juste sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident? Et croyez-moi, je lui ai fait mener la vie dure. Mais la dame de la sécurité a dit que c'était un accident. Oh, elle! Elle était vraie fan de la mer. Elle a soutenu ce journaliste qui a amené cette photo au studio. Elle lui a même arraché des mains. Elle est même repartie avec quelques hématomes. C'est donc pour ça qu'elle avait la photo. Ah, c'est une vieille folle! Et c'est sûr que le journaliste avait simplement besoin d'indicatif. Il aurait pu faire des copies. Mais il ne l'a pas fait. L'unique exemplaire de cette photo se trouve entre vos mains. Donnez-la moi, maintenant. Quoi? C'est une pièce à conviction précieuse! Les garçons? Oh mon dieu. Gang bang avec les relous. Gang bang avec la mafia, c'est parti. C'est qui? Ma, des pros! Très doué pour effacer diverses choses. Qu'en pensez-vous? Voudriez-vous être effacé? De quoi? Le procès finit demain? Comme c'est dommage! Vous allez rater ça! Dites-moi pourquoi! Pourquoi voulez-vous tant que cette photo? Ce sont des problèmes de Monsieur Hammer, non? Pourquoi des Vasquez s'en souvient-elle? Bien sûr, c'est elle que vous aurez tout le temps réfléchi et là vous allez. Ciao, les amis. Garçon, effacez-les. Non. Un instant. J'ai tout entendu, les gars. Des Vasquez, je vous emmène au poste maintenant. Pas mal. Très bien. On dirait que Suel se réglera demain au tribunal. Je suis impatient d'y assister. Ça va, les gars? Désolé, la cavalerie arrive un peu en retard. J'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Inspecteur détective? Merci! J'ai eu très peur. Hein? Bon, c'est rien, mademoiselle. Juste faire mon boulot. Inspecteur détective? Désolé, j'ai toujours voulu sortir cet esprit épique depuis que je suis inspecteur. Bon, j'ai une dernière chose à faire aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Ah, qu'il est gentil ce détective, c'est bon. Eh bien, Nick, on dirait que nous touchons au fond du problème. Et qui a touché le fond? Des Vasquez, lol. D'ailleurs, c'est Des Vasquez ou Des Vasquez? Ah, on ne sait pas et personne ne sait. Et cette partie n'aurait duré que 34 minutes. On a fait une vidéo à peu près bien, un peu pas trop longue. C'est beau. Putain, c'est beau. Donc, YouTube, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. D'ici là, des bisous, abonne-toi et donne-moi du pognon. Hey, des poitous. Non, je l'ai sauvegardé, mais non, il faut que j'arrête la vidéo. Mais oui, je suis con. Dites-moi que je suis con dans les commentaires. Et je saurai que vous avez regardé la fin de la vidéo. Et en fait, non, j'aurais oublié
que j'aurais dit ça et du coup vous allez me traiter de con et du coup je vais le prendre mal. Mais bref, on s'en fout. Des poutous.